Donc, tu vois le genre d'homme que tu as rencontré quand tu venais d'arriver en Bénin. Tu le rencontres. Il a les papiers, tu n'as pas. Il a peut-être docteur, il a une bonne situation. Il te dit, oui, je veux t'épouser. Vous commencez une relation ensemble. Après 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu sens qu'il ne veut pas avancer. Il ne veut pas avancer. Tu le quittes. C'est comme si on t'a attaché derrière l'homme là. 2 ans, 5 ans, tu avances, tu pars dans une autre relation, tu tournes, après tu reviens encore. Ou bien, il te laisse au pays, il part. Le amour de jeunesse. Chaque fois qu'il revient, il te trouve dans n'importe quelle relation. Dès qu'il t'écrit que je suis là, c'est comme si on a mis la cloche sur toi. Tu cours seulement vers la personne. Que la femme n'est pas simple. Tu cours seulement. Il passe une semaine, tu es derrière lui, tu finis la 1 semaine avec lui là. Il te fait les promesses. Je vais, je vais. Il conjugue le verbe aller. Que va-t-on? Oui, va-t-on seulement. Il finit, il rentre. Il t'oublie encore comme biac. Plus tard, le rien est encore derrière toi. Hein? Que tu considères encore? Je te libère aujourd'hui des rien là qui sont derrière toi depuis des années. Je te libère, que tes yeux s'ouvrent. Parce que c'est le genre d'homme là, quand il revient, donc c'est quand tu as couvert ton salon de coiffure, ton salon de beauté, ton hammam, ton spa. Tu as commencé ta ligne de vêtements, tu as fait 3 voyages en Chine. Tes choses sont vraiment en train de bien décoller, qui revient fort fort. Oh, belle femme, j'aurais dû t'épouser quand tu étais jeune. Hé, monsieur, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. C'est comme si chaque fois qu'il vient là-bas, il vient seulement sucer ton énergie pour repartir avec Ambe. Ah, tu sais, ma femme que j'ai en Europe là-bas, je ne peux pas la quitter. Il faut d'abord que tu attendes un peu. C'est comme ça qu'il est venu pour gâter ta jeunesse. Tu es où là? On t'a attaché derrière lui. Il te dit bien que fais attention. Parce que le genre de personne va revenir quand tu viens de lancer ton salon de coiffure, ton restaurant. Dès que tu viens de lancer là, quand tu sens vraiment que je vais. Je ne peux plus en bain. Il faut qu'elle reste au pays même 5 ans, j'établis le business. Ah, tu sais, je veux faire tes papiers. Je veux faire tes papiers. Tommy, bonjour. Je veux faire tes papiers. Donc voilà, il te déstabilise encore. Un pied dans le salon, un pied n'est plus dedans. Un jour tu pars, l'autre jour tu fermes. Tu ouvres souvent les dimanches jusqu'à 22h. Te voilà. Oh, mon bé arrive. Je l'ai préparé pour lui. Tu es folle. Tu es folle. Va te taper. Tu vas me voir dans tes rêves. Il y a une qui m'a dit qu'elle a rêvé de moi. Que je l'ai giflé 2 fois dans le rêve. Ou c'est même que j'ai fait, ou que c'est elle que je grondais haut. Que passe comme ça là. Pas préparé, tu fermes ton salon, tu pas préparé pour lui. Il dit qu'il veut l'enfant. Ouais, fais-moi l'enfant. Tu vas marcher au quartier, porter l'enfant comme ça là, comme ça là. N'est-ce pas? Il va venir m'épouser. Il a dit qu'il vient. Il arrive. L'enfant est à 5 ans. Il est venu. Voilà vos histoires, hein. Comment vous cherchez? Je te délivre de tout esprit de bêtise qu'on a mis en toi. Tout esprit d'idiotie que tu as toléré. Tout rêve qu'on t'a vendu. Ferme tes pieds. Oui. Ferme tes pieds. Grandis. Crée ton business. Crée ta marque. Ils sont cachés sur tes profils. Ils te guettent. Une m'a dit quelqu'un, elle a lancé son salon de coiffure. L'autre réapparaît après 7 ans, c'est combien d'années où il dit, 4 ans. Que je suis des trucs, je vois que tu évolues. Je vois que tu évolues. J'évolue à te. Monsieur, comme on parle là, après ça, tu es bloqué. Tu es bloqué. J'évolue à te. Oui. Que tu évolues. À l'époque, quand tu disais que tu avais le rêve d'ouvrir le salon,
qui t'écoutaient, ceux qui se moquaient même de toi. Il y a des gens ici que tu vas te demander vraiment, est-ce que l'homme s'y m'a aimé? Arrêtez toutes vos émotions là. Est-ce que l'homme s'y m'a aimé? Non, il faut d'abord le comprendre, tu sais. Vraiment. Toi, voilà, tu l'attends, hein. Il veut que tu sois ma femme du pays. Il vient au pays une fois, il fait une semaine par an. Sur 52 semaines, tu as une semaine. Oh, purée, que vous êtes bête. Jesus. God forbid. Ta délivrance aujourd'hui, là, c'est le helele. Tu vas te voir dans le rêve, comment tu sors de sa maison, tu fuis, tu t'échappes. Tu te délivres de ce trou où il t'a mis. Au nom de Jésus, amen.